Stéphane Machukano, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fédéral du parti politique FCR, signataire volant d'une lettre qui a désavoué un candidat de la plateforme Ensemble, notamment Zangi Butondo. On peut savoir le contenu de cette lettre et pourquoi? Oui, merci beaucoup de la question. Ici, il y a de signaler que dans notre lettre du 9 janvier, nous avons adressé un message à la hiérarchie au niveau de Kinshasa au sujet de notre frère, l'honorable Muindo Nzangi Butondo, lui reprocha certains faits qui sont réels, qui sont objectifs, hein, loin de des passions, loin de d'un acharnement quelconque, mais dis-moi, ce sont des faits réels. C'est depuis le 9 janvier que nous avons adressé cette lettre. Le fait, c'est quoi? Nous avons reproché à notre frère, l'honorable Muindo Nzangi Butondo, l'égoïsme, l'égocentrisme, et cela s'explique par plusieurs faits également. Quand vous jetez un peu un coup d'œil sur ce qui se passe ces derniers temps, lui-même il est candidat au provincial, au national, lui-même il est candidat à l'élection du gouverneur de la province. Curieusement, contre toute attente, il était même candidat au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et une autre chose qui nous a tiqué, qui nous a poussé maintenant à faire cette déclaration, ils se sont attendus avec les autres candidats, comme quoi ils devraient se mettre autour d'une table pour sortir un candidat unique de l'ensemble, parce que vous savez que la province du Nord Kivu a elle-même compte 24 députés, donc nous avons la majorité, et au niveau de la même ensemble il y a 4 candidats, donc il était impérieux et nécessaire qu'ils se mettent ensemble pour qu'ils sortent un candidat unique. Ce qui a été fait, ils ont signé un communiqué conjoint. Quelques jours après, celui qui sort sur des médias, dire que c'est lui le candidat de l'ensemble. Nous sommes dit, mais finalement, ce monsieur devient une menace. Et c'est pourquoi nous avons fait, parmi les raisons, nous avons fait cette déclaration pour dénoncer ce genre de comportement et mettre en garde la hiérarchie, parce que c'est une candidature qui, finalement, qui devient de plus en plus une menace pour la réussite de l'ensemble au gouvernorat. C'est un candidat, deuxièmement, qui prêche le tribalisme, parce que vous pouvez vous référer sur ces propos de la dernière fois, quand on a suspendu les élections dans le Grand Nord, comme quoi on ne les suspend pas parce qu'on veut qu'il y ait une autre communauté qui soit gouvernée. Peut-être qu'il avait raison, mais comme un homme d'État, il y a des choses qu'il faut éviter, c'est-à-dire vous fustigez les autres communautés comme si ce sont ces communautés-là qui ont envoyé à Kabila de s'illustrer par ce qu'il avait fait. Parce qu'on sait comment Kabila opère. Lui, quand on veut devenir un homme d'État, il faut savoir se contenir. Peut-être qu'il avait raison, mais l'endroit n'était pas indiqué sur le média, déclarer des choses comme ça, et ça tire la foudre de toutes les autres communautés. Et là, on dit qu'il est tribaliste, et on lui reproche ça. Et ceux qui peuvent aussi lui reprocher ça, ils n'ont pas tort. Et il y a beaucoup de choses, même au niveau de l'ensemble, que nous lui avons à reprocher. Même le manque de la coordination au niveau de la Mouka, on a senti qu'il était incapable de gérer cette structure, et là nous nous sommes dit c'est un danger. Autant laisser les 3 autres candidats qui restent, que parmi ceux-là on trouve un candidat qui puisse porter le flambeau de l'ensemble et éviter la candidature de Muindo Nzangi, parce que c'est un obstacle et ça risque même de donner un boulevard à l'autre camp, parce que c'est un candidat qui est décrié. Je te dis qu'entre autres, n'est-ce pas, nous sommes de la même famille. Ici, ce n'est pas, je ne voudrais pas tomber aussi dans
dans certaines maladresses, même au niveau de la famille à l'interne. Il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche. Je ne voudrais pas les étaler sur le média. Donc, les faits du tribalisme, xénophobie, ce n'est pas le seul fait qu'on lui reproche. Il y en a beaucoup d'autres, même à l'interne. Mais que répondez-vous à ceux qui disent que les groupes là qui veulent désavouer Nzangi, il semblerait que vous êtes instrumentalisé par l'FCC. C'est une façon aussi de donner la chance aux candidats du FCC. Non. Ici, ce qui nous importe, c'est une sonnette d'alarme au niveau de la hiérarchie. D'ailleurs, c'est pour maximiser la chance de l'ensemble parce que la candidature de Nzangi favorise la réussite du FCC. Parce que même au sein, il faut éviter l'hypocrisie, même au sein de sa famille politique, même le MS, il y en a qui ne veulent pas de la tête de Nzangi. Donc, c'est une véritable menace. Et si l'ensemble, ou en particulier l'AMOUK en général, veut réussir, il faut s'épargner de cette candidature de Nzangi pour maximiser les chances de réussite. Mais si il y a la candidature de Nzangi, même certains députés de l'ensemble ne seront pas d'accord. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une mauvaise passe du côté Ensemble au Nord Kivu. Non, partout il y a toujours des problèmes. Il est grand temps, c'est une sonnette d'alarme, il est grand temps de recoller le morceau parce qu'il ne reste qu'il reste encore tout un mois pour que nous puissions gagner. Si je vous comprends bien, vous ne voulez pas avoir la tête de monsieur, donc de l'honorable Mwindo Nzangi comme candidat de la plateforme Ensemble, c'est ça? C'est ça, c'est parce que ça amenuiserait toutes les chances de la réussite de notre regroupement, compte tenu de tout ce que je venais de vous annoncer tantôt. Parce que le problème, c'est qu'avec Nzangi, ça manque de la maturité politique. Nous avons peur que une fois, par exemple, le gouverneur, si jamais ça arrivait par miracle, il risque de brûler la province. Si lui ne brûle pas la province, c'est la province qui va le brûler. Que comptez-vous faire? Parce que vous êtes sans oublier que les quatre candidats là, bien sûr, Parta ou gouvernorat, se sont mis ensemble pour, choisir un candidat. En cas où on arrivait à choisir un Nzangi, que comptez-vous faire? Non, le fait de choisir, c'est pourquoi nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme. Nzangi est mal perçu par les autres communautés, les autres plateformes. Je te dis, même au sein de leur plateforme, il y en a qui ne sont pas d'accord. Donc le fait de mettre Nzangi, c'est un échec que nous-mêmes, nous mettons sur la figure. Donc il faut éviter l'échec parce que je vous assure qu'ils évitent l'hypocrisie. Même au sein de l'ensemble, ils sont nombreux qui n'acceptent pas cette candidature. Et la dernière question, M. Stéphane. Est-ce que, pourquoi avoir passé, surtout dans des médias, sur des réseaux sociaux, pendant que c'était un problème que vous devriez soit réglé à l'interne? Vous savez que les réseaux sociaux ne règlent jamais de problèmes. Non, il y a tout un document. Nous les avons commencé à l'interne, mais curieusement, on a senti qu'ils ne comprennent pas. Et c'est un danger qui devient de plus en plus réel. Ça, c'est un. Et de deux, lui, il signe un communiqué qu'on joue avec les autres, ses homologues. Il est le premier à sortir sur le média. Donc, vous comprenez que nous avons déjà, on a compris qu'il y a un chaos dans l'air et qu'il était grand temps de tirer cette sonnette d'alarme. Confirmez-vous que vos chefs au niveau de Kinshasa savent ce qui se passe dans la province à propos de ces guerres? Sinon, ils n'auraient pas raison d'être s'ils ne savent pas ce qui se passe. On leur a envoyé toute cette déclaration. Et quels sont ces partis signataires d'ensemble? Non, ils sont au nombre de 9. Je crois que je vous ai déjà donné le document. Si vous ne l'avez pas, je vais vous le donner. C'est moi qui vous remercie.